Et bonsoir, bienvenue pour cette troisième partie de ce petite série de tutos sur l'utilisation d'une manette de PS4 sous Linux. Donc, nous en étions restés hier soir à une première version du projet que vous aviez sous GitHub. Et donc, on va continuer en fait. Bonsoir Buddy, bienvenue. Merci de ta fidélité. Bonsoir Alex également. Alors, nous en étions restés la dernière fois sur quelque chose qui fonctionnait globalement, mais qui montrait un petit bug, un petit défaut, à savoir que les entrées étaient bloquantes, les lectures étaient bloquantes, ce qui faisait que tant qu'on s'intéressait qu'à un seul descripteur de fichiers, tout fonctionnait bien. Et dès qu'on passait à deux, puis dans l'espoir ensuite de faire trois descripteur de fichiers, ça devenait tout de suite plus compliqué. Donc, écoutez, on va s'y remettre de suite, on va regarder le code, et puis on va commencer à corriger tout ça tranquillement. Hein, qu'en dites-vous? Alors, j'ai réouvert déjà quelques terminaux en préparation, pour que tout soit plus simple. On va s'ouvrir notre fameux fichier .h à gauche, voilà. Et on va s'ouvrir nos fichiers .c à droite afin de pouvoir travailler. Donc on s'était fait un certain nombre de petites fonctions pour CD et notre problème se situait à ce niveau. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises, au niveau de la fonction processEvents, là, à ce niveau-là. Puisqu'en fait, à partir du moment où on fait la lecture, on tombe dans un appel dans une fonction qu'on appelle bloquante. C'est-à-dire que cette fonction ne va pas rendre la main tout de suite s'il n'y a rien en attente de lecture. S'il n'y a rien, en fait, la fonction bloque et attend que des octets se présentent. Je vois, mon cher Alex, que nous avons de nouveau des déconnexions. Ah, c'est embêtant tout ça, dis-moi. Alors, je vais vérifier de mon côté. Bon, je vous rassure, vous voyez, l'enregistrement est toujours en train de fonctionner, donc vous aurez l'intégralité du stream sous YouTube. Pas de problème à ce niveau-là. Et oui, en effet, petit débit qui est pas terrible. Hein. Voir ce que nous dit un peu OBS, mais bon, il a l'air de tenir pour l'instant. Allez, on va espérer que ce n'était que transitoire. Donc, excusez-moi. Notre problème se situe clairement au niveau de la gestion de cet appel read. Il va nous falloir modifier très très légèrement les choses. Alors, un petit coup de Google devrait rapidement nous indiquer les choses. Excusez-moi. Voilà. Alors, read Linux, et on cherche comment faire du non-blocking read. Stack Overflow reste notre ami devant l'éternel. Voilà, donc la question là qui est donnée, c'est une personne qui a un descripteur FD, donc exactement comme nous, qui l'utilise à coup de read, donc c'est la même chose que nous. Hop, voilà, il voudrait savoir s'il y a réellement quelque chose à lire ou pas, parce que l'appel est bloquant. Et donc, on lui conseille en fait de simplement appeler la fonction fcntl, fcontrol, qui en fait va permettre de rajouter un petit flag au fichier que nous avons ouvert, pour lui dire que désormais ce sera un appel non bloquant. Donc, on va faire exactement ça. On va d'abord tester très rapidement si ça fonctionne ou pas. Hop. Et on va le faire au moment du constructeur. C'est-à-dire que là, à chaque fois, hop, on fait ça. Alors, où est-ce que j'ai fait les open? Je ne sais plus. Si, ils sont là. Ils sont devant mes yeux, en fait. On en a un, deux et trois. Donc on va ici
descriptor fgetl, donc on va juste se déclarer flags là-haut pour pouvoir le récupérer autant qu'on le veut. Et voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait les choses? Bah, c'est pas très compliqué. On récupère les flags actuels du descripteur de fichier. Alors, chez nous, ce ne sera pas FD, ce sera choc flèche FD underscore touchpad. Voilà. Et une fois que ceci est fait, on les applique de nouveau au même. Mais en rajoutant à l'aide d'un ou bit à bit la valeur non-blocking, non-block. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. On va refaire la même chose pour chacun des trois descripteurs. Donc on avait touchpad, on avait accéléro et joystick. Joystick avec un U et un X. Ouais, on est plus à ça près. Hein. Voilà. Et c'est reparti à ce niveau-là. Voilà. Ça devrait résoudre notre petit problème. Reste à voir maintenant comment vont se passer les lectures. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un read, ce qu'on espère, c'est avoir lu le bon nombre d'octets. Alors, on va simplement dire, normalement, read doit nous renvoyer, je pense, la taille de ce qu'il a effectivement lu. On va vérifier ça. Alors, le voilà. Alors, valeur de retour. On success, the number of bytes read is returned. 0 indicates end of file. Très bien. Donc, on va simplement nous assurer que read nous renvoie ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans l'analyse d'événements. Alors. Que si j'ai en fait bien récupéré la taille d'un événement. Même chose ici. Bon, j'utilise size of 1, size of 2, c'est pas très très optimal mon truc, mais ça fonctionnera. Enfin, en tout cas, on l'espère. Très bien pour ça. Je vais quand même vérifier quel est le type de retour de read, parce que ça m'étonnerait qu'il me renvoie un entier. C'était en page 2, hein, je crois. Hop, il me renvoie un sizet. Donc, autant... une variable du bon type, ça nous évitera les mauvaises surprises.
Bon, après, il y a de fortes chances que derrière ce S-Size-T, j'ai en fait un unsigned int ou un unsigned long int. Donc je ne suis pas très très inquiet, mais restons prudents, cela ne coûte rien. Donc il râle juste parce que E3 n'est pas là, enfin n'est pas utilisé, donc tout va bien. Parfait, on va pouvoir tester. Alors pour tester, il faut deux choses. La première chose, il faut réapparier la manette, enfin elle est déjà appariée, reconnecter la manette à notre pile Bluetooth pour que Linux la redétecte. Deuxième chose, il nous faut la manette. Et je l'ai oubliée, donc je vais aller la chercher. Je vous demande une petite pause. Me revoilà. Donc, vous avez donc le seul streamer au monde qui est capable de faire un stream sur la DualShock de PS4 en oubliant de la prendre avec lui. Blague à part, je vais donc rallumer la manette. Donc, je me contente de juste appuyer sur la touche PlayStation, vous voyez. Et elle est directement reconnue, connectée. Normalement, tout baigne. On va quand même aller vérifier. Voilà, j'ai bien les events 21, 22, 23 qui se sont créés. Donc j'ai envie de dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. On va pouvoir tester. Alors. Hop. Bon, je suis toujours obligé de passer administrateur parce que j'ai bien entendu également oublié d'ajouter l'utilisateur Seb dans le groupe input. Ce qui est un peu dommage. Je lance mon test. Donc normalement, voilà, cette fois-ci les boutons fonctionnent. Toujours, aucun problème, c'est très très réactif. Et vous voyez, mes événements sur la souris fonctionnent. Même si j'appuie sur les deux en même temps. Voilà, on a résolu notre petit souci. Parfait. Voyons voir maintenant si on peut étendre un petit peu la fonctionnalité. C'est-à-dire que là, pour l'instant, nous avons récupéré les boutons. Nous avons récupéré les événements. Comment on appelle ça? Excusez-moi. Les événements de contact de doigts sur le touchpad. On va fignoler un peu tout ça. Alors, voyons voir ça. Oui, mais en fait non, je récupère même bien plus, vu que je récupère également les joysticks Axis. Donc ce n'est pas ma petite librairie qui est en défaut, c'est simplement la façon dont je l'utilise. C'est-à-dire que quand je reçois un axe, ce serait quand même intéressant de l'afficher. Voilà. Soyons fous, ajoutons les variables dans le printf. Nous ne reculerons devant aucun sacrifice pour ce stream et ses auditeurs. Eh ben écoutez, ça doit pas être trop mal ça. On relance. Et donc là, cette fois-ci, voilà, je suis beaucoup plus inondé de d'informations parce que j'ai les événements de chaque axe. Parfait. Bon. Jusque-là, tout va bien. Alors, je vous propose pour l'instant, puisqu'on a pu vérifier que le joystick fonctionnait. Alors, où suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Voici mon mail. Je vais désactiver temporairement au moins les axes pour
pour éviter d'être noyé par les événements. C'est juste que ça rend les choses un peu difficiles à lire. Où suis-je ? Toi, tu me sers plus. Voilà, on utilise le formidable makefile que nous a fourni Slanepool la dernière fois. Normalement, là, si je lance, voilà. Les événements sont toujours détectés, hein. Simplement, je les ai plus reliés à la callback, donc ça part sur la callback par défaut. Par contre, les boutons sont là. Et les axes correspondants à la souris sont bien là également. On va les commenter aussi. Voilà. Maintenant qu'on a vérifié que ça marche, notre seul but, c'est de ne pas être noyé sous les infos. J'ai envie de dire, jusque-là, tout va bien. Bon, c'est pas mal tout ça. Qu'est-ce qui nous reste ? Le touchpad. Attendez, il y a un truc intéressant. Alors que ce soit le touchpad ou le joystick, en fait, je les avais reliés à la même callback. J'ai fait une petite bêtise. Ça me surprenait parce que la souris n'envoie pas des événements de type axe. Elle envoie des événements qui sont d'une nature différente. Donc ça me surprenait fondamentalement que ça fonctionne. En même temps, je suis en train de vous dire des âneries. Parce que simplement, ma callback ne faisait rien. Je pense qu'on va commencer à préciser un peu les choses pour savoir qui émet les événements, qui émet les callbacks, enfin qui déclenche sa callback, parce que là on ne sait plus. Hop. C'est très très rapide de se tromper sur ce genre de code. Il suffit d'une petite étourderie et on le paye très cher. Pas besoin de sortir de VI, moi, pour compiler. Alors, si je me déplace sur le touchpad, voilà, je récupère bien des événements. Alors, par contre, ils sont un peu surprenants. 0,1667, 53,1667. Bon, on va regarder ensuite à quoi ça correspond. Alors, sur la souris, non, là je suis sur le joystick, sur la souris, oui, je réponds sur les événements absolus. Alors, on va vérifier rapidement avec EVTest. Alors, on avait dit que la souris, c'était lequel ? Touchpad, c'est le 21. Voilà. Donc, je récupère des événements EVABS. Hein. C'est bien des mouvements de souris. Parfait. Code 53600. Voilà. Alors on va en profiter pour compléter un petit peu notre collection de codes.
Donc, hop. Donc ça, c'est... Ah, je récupère 4 codes en fait. Une position absolue en X. Une position absolue en Y. Il y a un MT position. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder ça. Alors. Position absolue en X, c'est le code. Où suis-je? C'est le code 0. Ensuite, une position absolue en Y, laissez-moi deviner le code 1. Oui, j'avoue que c'était pas très dur. Voilà. Et ensuite, on a ce MT position X et MT position Y que je ne connais pas. On va aller les voir. Qui correspond à quel code? Code 53 et 54. Et voilà. Comme ça, au moins, on les aura. Alors, là aussi, on va corriger rapidement notre code. Et on va utiliser la même chose. On va donc faire un dual choc get button name, très mal nommé. De l'axe numéro axis. Qu'on va ranger. Ah oui, super. J'ai deux variables qui s'appellent axis. Je vais l'appeler name. Hein. On va pas être très, très original sur ce coup-là. Donc le premier c'était le string. Le deuxième c'était le code. Donc ça fera name, virgule, axis. Et donc là, pourcent s, name. Alors, visiblement, je me suis trompé. Oui, bah, j'ai oublié un point virgule. Alors, où est-ce que c'est? C'est ici à la fin. Parfait. Bonsoir, Reed Quintus. Comment vas-tu ce soir? Alors, ça compile. On va voir si ça fonctionne. Ah, bouton inconnu. Tiens, 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 tiens. Quelle est donc cette magie? Très bien, ah, je suis content. Alors, pourquoi donc bouton inconnu? Eh bien, tout simplement parce que j'ai oublié de leur rajouter un petit nom, ce qui ne risque pas d'aider. Ah oui, c'est vrai que... Des petits soucis de copier-coller sur cette config. Il faut vraiment que je fixe ça parce qu'en plus ça demande trois fois rien faire. Hop.
là. Ah. Pauvre Arnaud. C'est pas gentil de voler les comptes d'Offus. Ceci étant, c'était peut-être une bonne idée pour ses études. Je connais beaucoup trop d'étudiants qui ont sacrifié leur scolarité sur Dofus ou sur LOL. C'est un peu le risque. Alors. Mouvement absolu X. Ça lui apprendra à cliquer sur des liens de phishing. Ah oui, il faut pas cliquer sur des liens de phishing. Surtout à votre niveau quand même, enfin. C'est très mal ça. C'est un jeu en ligne, Alex. Un de ces nombreux jeux qui plante des générations d'étudiants, parce que c'est un tout petit peu addictif tout de même. Voilà. Parfait. Voyons voir si ça fonctionne. Hop. C'est mieux ça. Mouvement absolu en X, moins 280, 281, 282, 283. Hop, si je monte. Alors ce qui m'étonne, ce sont les valeurs que j'obtiens. Je ne m'attendais pas trop à ça. Ah, si, pourquoi pas. Bon, on est pas mal. Je dis pas que c'est encore utilisable, mais ça commence à donner quelque chose. Parfait. Bon, je crois qu'il va être temps de commencer à jouer avec les accéléromètres, qu'en dites-vous? Alors. Je vais commenter en fait tous les autres callbacks pour l'instant pour pouvoir jouer tranquillement avec les accéléromètres. Ben, il y a deux raisons hein, pour lesquelles je peux vouloir jouer avec une manette, mon cher Quintus. Le premier, c'est parce que j'en ai besoin. En fait, je voudrais pouvoir. J'ai une sorte de petit navigateur 3D. Sur lequel je suis en train de travailler pour ma recherche. Et je voudrais pouvoir naviguer dans mes petites simulations 3D avec la manette parce que je trouve ça plus intuitif. La deuxième chose, c'est parce qu'on peut. Hein? Pourquoi s'en priver? C'est totalement inutile, donc rigoureusement indispensable. C'est une très bonne raison. Je suis fier des jeunes que je forme. Voilà. Donc on va faire la lecture du troisième événement. Donc ici maintenant ce sont les accéléromètres. On a dit qu'on n'utiliserait non plus E2 mais E3. Pratique, on pourrait sûrement utiliser le même partout. Hein. J'avoue que j'ai fait un peu ça par flemme. On regardera tout à l'heure pour voir ce qu'on peut y faire. Alors, quel type d'événement je vais récupérer sur les accéléros? Eh bien, quelle meilleure manière que de tester? Alors, l'accéléro, c'est Event 22.
je reçois en fait alors des events MSC dont je n'ai aucune idée de ce que c'est visiblement. Ah si, ça doit être de simples timestamps, de simples mesures de temps. Ça permet en fait d'éviter de mélanger les échantillons. C'est-à-dire que là, si vous regardez, par exemple, à mon humble avis, hein, j'ai pas lu la doc, mais tous ces événements-là ont dû être pris à cet instant-là. Tous ces événements-là ont dû être pris à cet instant-là, et ainsi de suite. Et ça permet de savoir, ben, par exemple, quelle rotation en RX va avec quelle rotation en X. Surtout quand il peut en manquer. Vous voyez, par exemple, ici, je n'ai pas eu la donnée en Y. Ici, je n'ai eu que des valeurs linéaires. J'ai pas eu de valeurs en RX, en RY et RZ. Donc, ça sert simplement à les fixer ensemble. Ok. Et j'ai des signes. D'accord. Eh bien, on y va. Donc, on a dit des EVABS et des EVMSC. Alors, les EVMSC. Tout simplement, on n'en fera rien. C'est exactement comme les sheets. On va pour l'instant les récupérer et ne pas s'en occuper. Et on va appeler le accéléro. Axis function avec les codes du bon événement, sinon c'est qu'on n'a rien compris au film. Voilà. Donc là, on est en train de gérer les dernières petites choses sympathiques. Bon. Ça devrait fonctionner. Alors on va s'en assurer quand même. C'est-à-dire que pour l'accéléromètre, alors attendez, je vais récupérer ce code-là. Simplement, on va lui préciser accéléro. Alors, double réponse. D'abord, oui, j'ai des news, vous en aurez bientôt, et non, c'est pas le bon endroit. Donc, petit encart pédagogique, pour les oraux de projet, je vous ferai un petit mail dès demain, en fait, hein, vous en saurez beaucoup plus, et dans tous les détails. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez tout demain. Bon, touc, 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 touc. On est pas mal là, hein, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on récupérait comme axe RX, RY, RZ et X, Y, Z. Donc, on a vraiment trois inclinaux, trois accéléros. On va les définir ici. Alors, le X, c'est le code 0. Oh là là. Rien de problème. Ups, RX. C'est le même code. Il va falloir que je fasse... Il va falloir que je fasse deux choses différentes. Un pour les axes, l'autre pour les boutons. Bon, pas de panique, on va s'en occuper. Alors, X, Y, Z, RX. Voilà.
x0, y1, z2, ça paraît plutôt sain. Et ensuite, rx3. Alors, si j'étais fou, j'oserais essayer de deviner en disant ry4. Oui. Et rz, très probablement 5. Vérifions. Est-ce que j'en vois un quelque part? Oui, tout à fait. C'est le code 5. Bon. Je crains que... on ait de la redite. Alors c'est dommage parce que les boutons, tout se passait bien. Et en fait, l'axe... Abscisse, abscisse y, que ce soit sur le touchpad ou sur l'accéléro, c'est le même code. Bon, après, ce qui est tout à fait logique aussi, hein, avouons-le. Mais c'est pas comme ça que je voulais le visualiser. Donc ça ne m'arrange pas, mais alors pas du tout. Comment allons-nous faire ça? On va les séparer en trois, hein. On va les séparer en joystick. Ce sera le plus simple. En train d'essayer de voir si j'ai pas une manière différente de faire. Ah, mais non, je suis stupide. En fait, ils ont simplement réutilisé le code, vu que ça reste un abscisse. Donc, ce que je pourrais faire, c'est simplement faire ça. C'est-à-dire que ne pas le spécialiser pour touchpad et machin. Ce qui doit être ce qu'ils ont fait eux, en fait. Alors, et voilà, comme ça j'ai abscix, abscy. On va rajouter abs z, rx, ry, rz. Voilà. Ça paraît plus sain en plus comme méthode. Bon. Voilà, c'est plus simple comme ça. Donc, du coup, il va falloir que j'adapte en fonction. Ma petite... Alors, tac, 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 contact un doigt. Là, partout là-dedans, on enlève le touchpad. Et il va nous suffire de rajouter le... Voilà. Donc, on se fait un mouvement en Z. Un mouvement en X. Rotation en Y. Rotation en Z.
j'avais le MT position X. C'était quoi ça déjà, le MT position X, MT position... Ah oui, si, c'était des événements, je n'avais pas encore identifié. Hop, on va juste changer ici. Rotation X. Rotation Y. Et rotation Z. Voilà. Pas mal là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il est bizarrement placé leur capteur. En mouvement absolu, 134, 8000, 1600. Bon, si, ça va. Donc pour lui, il y a très forte chance que le Y soit l'axe vertical, puisqu'il doit mesurer la gravité, hein, tout simplement. Donc... il n'est pas calibré, mais on devrait pouvoir retrouver les 9,81 mètres par seconde carré. Hop, parfait. Bon, un petit commit serait de bon aloi, qu'en pensez-vous ? Voilà. Bon. Eh bien écoutez, suite à ça, je pense que c'est le bon moment pour commencer à packager un petit peu notre application. C'est-à-dire que le Makefile, c'est bien, mais on va pas la distribuer qu'un Makefile. On va essayer de faire ça un peu plus joli, un peu plus pro, un peu plus sexy. Donc je vous propose, on va commencer à splitter le projet en deux, avec d'un côté la librairie, et de l'autre côté, on va avoir un exemple de programme qui utilise cette librairie. Voilà, comme ça au moins, on sera complet, et là, à partir de là, ça devient plus ou moins distribuable. Donc, habituellement, on crée deux répertoires quand on fait une librairie. Un qui va contenir les headers qu'on va installer sur le système. Attention, j'ai bien dit les headers qu'on va installer sur le système, pas les headers internes. Et en gros, ce que vous voulez montrer à vos utilisateurs. Et on va créer un fichier source avec les .c, les .h qui servent à générer la librairie en elle-même. Donc du coup, on va déplacer notre DualShock.c. Lui, il fait partie des sources. Par contre, le DualShock.h... je veux qu'il s'installe sur mon système pour qu'on puisse utiliser ma librairie. Voilà. Le makefile, paix à son âme. Merci Nico de nous avoir rendu un petit service avec ça. Et on va se faire un petit fichier exemple. Ah, j'aurais pu garder le makefile. Je suis pris de regret. Heureusement, il y a Git, hein. Voilà. Alors, on la refait. Non, je vais le garder, ton makefile, mon petit Nico. Ne pleure pas. Il va servir pour l'exemple, tu vas voir. On va juste un peu le modifier. Donc, le main.c partira pour fabriquer l'exemple. Le makefile va partir avec lui
pour l'exemple. Dans src, j'ai bien mon fichier. Dans include, j'ai bien le header que je souhaite installer sur le système. Donc, je peux effacer. Oups. Alors, il doit être un peu perdu dans sa tête. On va l'aider à s'y retrouver. Voilà. Bon, il n'a pas trop fait le lien entre le makefile qui était ici et l'autre. Si, maintenant si. Je commiterai plus tard, pour l'instant on n'a pas fait grand chose. Très bien, et le répertoire build, on va le vider, mais on va le garder parce qu'il nous servira. On va ensuite aller récupérer un petit CMakeList pour faire les choses vachement jolies. Bonjour, on est juste en train de se faire un petit projet pour faire une petite structure, une petite librairie qui permet d'utiliser la manette de la PS4, hein, la DualShock, sous Linux. Donc, bon, c'est le troisième petit stream qu'on se fait, plus histoire de montrer un petit peu comment faire. Voilà, je pense que c'est pas très difficile, et comme j'avais l'occasion. Donc, récupérons-nous un petit makefile et on va l'éditer. Vous allez voir, ça va être vite fait. Donc l'ancien projet s'appelait Cyan. Ce projet-là, on a dit qu'on l'appelait DualShock. Voilà. Donc, l'auteur. Voilà. Comme ça, vous savez comment me joindre. DualShock File.io. Alors non, pas File.io. DualShock tout court. Voilà. Alors je le trie très très rapidement. Juste histoire de vous montrer comment on va faire les choses. Ça non. Ça non plus. On n'a pas de package qu'on utilise, donc ça va être assez simple. Alors. Hop. On va se faire un petit config.h.in, vous allez voir, ça va être beau. Et on va le générer dans src config.h. Les include directory, hop. J'ai commencé CMake avec la 3.0, je comprends rien à ce CMake list. Ah oui, CMake, malheureusement, ça évolue pas mal. Je sais même pas quelle version on est là. Bonne question. Non. Comment qu'on l'interroge lui? T'as un moins version ou un truc comme ça? Moins version quand même, garçon. C'est une 3.16. Doit pas être trop ancien normalement. Donc ça c'est bon. Le link, on n'a rien à mettre. C'est bien quand ça link pas en fait.
Alors, tac, 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 tac. Les cibles d'installation, les tests de régression. On va faire péter ça. Voilà. Ça devrait pas être trop loin de ce qu'on veut. Je teste. Je vérifie que ça marche. Tac, 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 tac. Il va falloir que je rajoute deux petits fichiers. Attendez, hein, j'enlève deux, trois conneries qui n'ont rien à faire là. Voilà. Alors, on va récupérer toujours dans le même projet. Voilà. On va les renommer quand même. .cmake.in. Hop, et on va changer le file au .h. Petites adaptations de nom de projet, rien de bien majeur. Et ici, underscore file.io transformé en dual shock. Parfait. Si changer en minuscule. Ok, on ne doit pas. Bon, ça vaut le coup de le relire un peu dans le détail. Mais on va vérifier si ça marche. Ce sera déjà le premier test. Alors, tac, 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 tac. DualShockConfig.cmake.in. Comment je l'ai appelé? J'ai oublié le config. C'est beau quand ça marche. Parfait. Alors, ça paraît un peu compliqué, mais vous allez voir, au final, ça demande juste un tout petit peu de pratique. Ce que je viens de mettre en place là, c'est un outil qui s'appelle CMake, qui en gros permet de détecter les librairies nécessaires à votre projet, faire les tests nécessaires également sur le. Sur votre compilateur, sur votre infrastructure de compilation, et si tout passe, de vous générer un makefile bien fait. Voilà, donc c'est un générateur de makefile. C'est une alternative à un autre outil qui s'appelle les auto-tools. Alors les auto-tools, vous en avez tous, je pense, déjà fait quand vous avez tapé des points slash configure. Voilà, en fait, vous utilisiez AutoConf, qui est un des auto-tools. Et donc avec AutoConf, AutoMake, on peut générer des makefiles de la même façon. Voilà, CMake ou AutoTools, hein, ce sont deux concurrents. Clairement, il va y avoir une sorte de guerre de chapelle entre les deux, hein, c'est-à-dire que les puristes, 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 notamment en termes de licence, reprochent à CMake un certain nombre de choses. Et ils n'ont pas forcément tort. Et en même temps, les auto-tools, ce sont quand même un outil, comment dire, qui date un petit peu, donc qui n'est pas facile d'abord quand on débute.
Voilà, donc moi personnellement, j'ai pas de chapelle, je connais les deux. C-Make me va bien parce que je le trouve plus facile à expliquer pour des jeunes, un peu plus dans l'air du temps, mais bon, c'est une préférence qui est somme toute très légère et pas vraiment basée sur des faits, hein, plutôt suggestive. Plutôt personnel. Voilà, quand on trouve plus les mots. Du coup, comment se présente l'usage de C-Make? Alors, un des gros intérêts de CMake, c'est que on peut fabriquer son projet hors source, c'est-à-dire sans mélanger les points RAW avec le reste, ce que nous avait déjà fait un petit peu Nico avec son petit Makefile. C'est-à-dire que là, je crée un répertoire vide qui s'appelle Build et je vais lancer l'outil CMake en lui indiquant juste le chemin vers le fichier CMakeList, ce fichier-là, qui se trouve à la racine de mon projet. Donc pour moi, CMake point point. En fait, ici, il lance des tests sur la machine. Donc, bon, comme il a détecté que c'était un projet en C, il vérifie juste un minimum de choses sur mon compilateur. Et il me génère un makefile. Super, me direz-vous. Et ton makefile? Eh bien, mon makefile, il est ici, dans le répertoire build. L'étape suivante, c'est de taper make et de lancer ce fameux makefile. Vous voyez, c'est joli. Il me met des beaux pourcentages, il me cache les trucs qui pourraient faire mal à mes petits yeux, avec des grosses lignes de barbares. Et donc, il va générer ma bibliothèque dynamique libdualshock.so. Jusque-là, tout va bien. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous étiez là pour les streams précédents, quand on parlait notamment de faire des librairies dynamiques, je vous ai parlé de SoName, donc de la version du .so. Donc ici, il le fait bien avec les liens symboliques qui vont bien, etc. Je peux ensuite, toujours depuis mon répertoire build, faire un make install afin qu'il aille me copier les bonnes choses aux bons endroits. Les bonnes choses, ce sera donc mon .so, ainsi que les liens symboliques qui vont bien. Ce sera le fichier .h que j'ai choisi de distribuer. D'ailleurs, comme vous le voyez, il me le met au mauvais endroit. Donc ça, il faudra que je corrige un peu mon CMake. C'est un petit reste de la librairie dont j'ai piqué le CMake list. Et un autre fichier qui s'appelle dualshockconfig.cmake qui permettra en fait à quelqu'un qui veut utiliser ma librairie en utilisant CMake de détecter ma librairie très facilement. Voilà. Donc rien de bien compliqué en usage en tout cas. Chose intéressante, hein, alors on peut tout faire en mode texte avec des moins grands dés, mais chose intéressante, il y a un petit utilitaire qui s'appelle CCMake, qui vous permet, alors c'est pareil, il faut lui donner le chemin vers le makelist, mais qui vous permet d'avoir un certain nombre de réglages sur les flags, etc., pour générer votre makefile sur mesure. Donc ça, c'est vraiment un petit outil que j'aime bien. On peut faire sans, hein, mais c'est franchement très très pratique. Bonsoir Revoker, bienvenue. Alors, maintenant qu'on a fait le make install, maintenant qu'on a vu comment utiliser notre CMake, on va regarder un petit peu et je vous propose de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le CMake list. Alors, le CMake list, en général, il est de bon ton de le commencer de la façon suivante, c'est-à-dire de lui dire déjà quelle est la version CMake minimum qui est supporté par ce CMakeList. Comme ça, si quelqu'un essaye de compiler notre programme sur une machine antédiluvienne, bon, bah là, on lui dit, OK, en dessous de CMake 2.6, c'est pas la peine de venir. Je pense qu'on pourrait augmenter un peu ça c'est du compatible 2.6, mais un petit CMake minimum 3.0, ça ne ferait de mal à personne. On va ensuite dire que notre projet s'appelle DualShock. Voilà, on donne un nom à notre projet, et on peut régler des variables. Donc, vous voyez, moi, j'ai réglé trois variables. DualShock version major, version minor et version patch, qui en fait me compose un numéro de version. Donc ici, ce serait la version 0.1.0. Et vous voyez, je fais même une string, donc une chaîne de caractères DualShock version, qui en fait va se composer automatiquement des trois variables qui sont là-haut. Donc c'est la chaîne de caractères 0.1.0. Je peux lui préciser des chemins. Donc ici, je rajoute quelques chemins pour rechercher les librairies, pour les include ou pour chercher des modules complémentaires pour mon CMake. Voilà. Alors, cette petite bidouille-là, elle n'est pas forcément nécessaire, mais j'avoue que je l'utilise systématiquement. C'est que
Il y a un certain nombre de petites choses sous ces mails qui pouvaient, à une époque, s'avérer casse-bonbon quand on utilisait des chemins relatifs. Voilà. Donc, j'ai cette petite boucle là qui va me transformer tous les chemins relatifs éventuels en chemin absolu. Alors, c'est pas absolument nécessaire, hein, c'est juste quelque chose que j'ai rajouté il y a bien longtemps et que maintenant je fais plus ou moins automatiquement. Ensuite, on va pouvoir auto-générer des fichiers .h ou auto-générer des fichiers texte. C'est le cas par exemple de mon config.h.in. Vous voyez, je lui dis j'ai un fichier de configuration. Voilà. Tu le trouves à la racine du projet, il s'appelle config.h.in. Tu le prends, tu le traites et le résultat, tu me le mets dans le répertoire SRC en tant que fichier config.h. À quoi ça va me servir? Eh bien, tout simplement, si vous allez à l'intérieur de mon source, il y a un fichier que je n'ai pas écrit, mais qui s'est auto-généré. D'ailleurs, si vous voyez l'heure, il s'est auto-généré à 23h05 et qui s'appelle config.h. Et ce fichier config.h, il ressemble à quoi? Eh bien, vous voyez, c'est un simple truc qui permet de récupérer, dans mon cas ici, le numéro de version majeure et le numéro de version mineure. Comme ça, je peux l'intégrer dans mon code. Le template qui m'a servi à le générer, il est là. Voilà. Donc, on fait le template et simplement, on peut intercaler dedans des variables qui proviennent du CMake entre deux arrobas, comme c'est le cas ici. Donc, les variables DualShock version majeure et version mineure que j'avais déclarées en début de mon CMakeList, je peux les récupérer dans mon config.h grâce à ce template. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon CMakeList? Alors, je l'ai fermé du coup. Ah, non, il est là. Ensuite, je vais faire des listes de fichiers. Donc moi, j'ai deux listes. Une liste qui s'appelle source et une liste qui s'appelle SRC et une liste qui s'appelle HDR. SRC contient en fait tout ce qui va être nécessaire à la compilation pour générer ma librairie. Donc en fait, comme je vous l'ai dit au début tout à l'heure, tout ce qui est dans SRC, voilà, tous les points C, je les ai mis dans SRC, donc je vais aller chercher SRC étoile.c. Vous pouvez mettre plusieurs chemins, ça ne pose absolument aucun problème. Et j'ai une deuxième liste de fichiers qui s'appelle HDR, qui contient en fait les headers que je souhaite installer lorsque j'installe ma librairie. Donc ils sont dans include étoile.h. Jusque-là, voilà, tout ce qu'on a fait, c'est générer un fichier config.h et créer des listes de fichiers et des variables. Donc il va être temps de faire quelque chose. On va rajouter une cible de compilation. Donc notre cible de compilation, c'est une librairie. Du coup, on fait un add librairie. Elle va s'appeler DualShock, c'est son petit nom, et j'ai choisi de faire une librairie partagée, donc une librairie dynamique. Cette librairie sera compilée à partir de la liste de fichiers SRC qui est définie ici. Voilà. Bon, je lui donne quelques petites propriétés, et notamment son numéro son soname, son numéro de version SO, vous vous souvenez, pour la compatibilité des librairies dynamiques. Je vous renvoie à l'ancien stream. Il est toujours sur YouTube, donc vous pouvez le récupérer hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu et que ça peut éventuellement intéresser. Je vais sauter juste pendant une demi-seconde ces deux lignes-là, on y reviendra après. Cette cible que j'ai faite, c'est une cible de compilation, donc elle provoque la génération d'une librairie dynamique compilée. Maintenant, il faut pouvoir l'installer. Je vais me faire des cibles d'installation. Quand j'installe, DualShock, voilà, les binaires vont aller à tel endroit, les librairies vont aller à tel endroit, les archives vont aller à tel endroit. Donc on peut comme ça dire tout ce qui compose ma cible DualShock, voilà comment installer les différents éléments. Je vais avoir aussi une autre cible d'installation pour poser des points H de ma librairie. Voilà. Et donc c'est ici que j'avais fait une erreur, vous voyez. Ils vont aller dans le préfixe d'installation, donc chez moi USR local. DualShock, ça me va très bien. Par contre, hop, pas dans Filio. Ça, c'était un reste de l'ancienne librairie. Voilà, parfait. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pas grand-chose. Il nous reste éventuellement, ça c'est une option, à générer un petit fichier qui va s'installer dans notre système pour aider CMake à localiser notre librairie.
Voilà, donc c'est un configure file, c'est le même mécanisme que pour le config.h.in. Donc j'ai un fichier qui s'appelle dualshock.cmake.in qui est à la racine de mon projet, qui va me permettre d'auto-générer le fichier dualshock config.cmake et j'ai la cible d'installation pour que celui-ci soit bien déployé sur mon système. Voilà, vous avez fait le tour en 5 minutes du CMake. Pas plus compliqué que ça. Il y a des choses qui sont optionnelles, hein, c'est-à-dire que le dualshock config.cmake.in, vous n'en avez pas absolument besoin, de même que le config.h.in, hein, on peut le minimaliser tout ça. Alors, puisque ça marche, je vous propose de vous le committer. Alors, le CMake list, oui. Le config.h.in, oui. Le DualShock machin également. Au passage, je pense que le titre du stream n'est plus bon. Ah, en effet, je ne l'ai pas remis à jour. C'était le titre du stream de l'ami Alex. Oui, je suis désolé. C'est un oubli de ma part. Bon, ce n'est pas très très grave. Pour ceux qui sont nouveaux ici, vous avez en dessous du stream les liens et entre autres le lien vers la chaîne YouTube. Donc vous pouvez avoir un accès aux épisodes précédents directement sur YouTube. En général, que ce soit Alex ou moi, on upload les enregistrements dans l'heure qui suit les streams, hein, dans l'heure ou les 2 heures. Donc il y a toujours moyen de les récupérer. Avant de vous pousser ça, alors vous voyez, je n'ai pas gitisé le src slash config.h vu que c'est un fichier qui est auto-généré, donc il va se régénérer à chaque fois. Du coup, ça n'a aucun intérêt. On va même en fait l'ajouter au Gitignore. Et on va dire à notre Gitignore enfin, comment dire, d'ignorer complètement le répertoire build et d'ignorer également le src config.h. Comme ça, git n'en tient pas du tout compte. Voilà. Vous pouvez pouler si ça vous intéresse. C'est en ligne, donc c'est sur GitHub, hein, directement. Git remote origin, je ne sais jamais, getURL. Qu'est-ce que j'ai foiré? Origine. Tiens, comment je l'ai appelé? Ah, pardon. GetURL origine. Voilà. Donc le GitHub, il est accessible directement à cette adresse. Au moins, vous l'avez. Bon, bah c'est pas mal pour ce soir. Alors, on va quand même pas s'arrêter là. On va prendre 5 petites minutes. Ces 5 petites minutes vont juste nous permettre de vérifier que tout fonctionne bien. Donc, on va dans Build, on éclate tout. On lance un cmake point point. On lance un make. Hop, 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 hop. J'ai raté le mot de passe route. On la refait, moins crispé. Voilà, on fait un make install. Donc cette fois-ci, vous voyez, tout part bien au bon endroit. Donc ça, c'est pas mal du tout. On peut aller vérifier.
Donc, dans USR local, si je vais dans lib, je dois avoir mon lib DualShock quelque part. Vous voyez, il est ici. Et si je fais un ls-all, vous devriez voir le jeu des liens symboliques correctement fait. Voilà. Donc, tout s'est bien fait. Il a géré les droits. On n'a pas à s'embêter. Si je vais dans include, j'ai un répertoire DualShock. Et dans le répertoire DualShock, j'ai mon DualShock.h. Alors ça, par contre, c'est une verrue qui est restée de tout à l'heure. Oh, je suis pas sûr que ce soit une verrue, ça va falloir que je le vérifie. Voilà. Et vous avez notre petite structure qu'on a créée, nos quatre petites fonctions pour gérer la petite manette. Donc, la librairie a l'air de s'installer correctement. Je vais juste relancer, parce que j'ai un doute quand même assez fort sur ce file.io qui traînait là. File.io étant le nom de l'autre librairie sur laquelle j'ai piqué le makefile. Hop, hop, hop. Alors, user local include DualShock. Et il a créé le CMake. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'était bien un reliquat d'avant que je corrige. Parfait. Il nous reste plus qu'à jouer avec notre exemple. Bon, pour l'exemple, on va garder l'idée du makefile. On va simplement le simplifier. Alors, oui, tu avais, Nico, tu avais créé un environnement. Je vais le faire beaucoup plus simple que toi. Alors, pour clean, hop, on met une paire info.main.c. Donc, c'est flags. Alors, on l'appelle rarement libflag. En général, on l'appelle ldflags. Voilà. Pour créer DualShock. Donc, je n'ai plus la cible createEnv. Je n'ai plus DualShock.o. Je dois créer main.o. Je fais ça. À partir de main.o. Et j'inclus les CFlags et les LDFlags. Voilà. Le builder qui est ici, on l'enlève. En fait, je fais plus cochon que toi, hein, Nico. Voilà. Et normalement, tu ne mets pas les CFlags pendant le linking. Et par contre, tu ne mets pas les LD pendant la compile. Voilà. Merci pour le LD flags, Nico. Voilà, tac tac, on va virer ça. Bon, on est pas mal. Alors, simplement, il va falloir préciser des chemins. Donc, on a dit, notre librairie, le header, se trouve dans USR local include. La librairie se trouve dans USR local lib et on link avec la DualShock. Voilà. Alors, tac, 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 tac. En effet, là, ce que j'ai fait, c'est que comme je lui ai dit directement d'aller chercher là, il faut que je donne la base du répertoire.
Alors, qu'est-ce qui râle? Pourquoi qui râle l'animal? Dans la fonction button callback, touchpad axis callback, Redéfinir. Mais pourquoi donc? Ah! Parce que je me suis gouffré dans mes files, mes amis. Parce que là, je suis en train de linker. Et donc, si je link, ce sont les LD flags qu'il me faut. Et ici, je suis en train de compiler. Donc, ce sont les C flags. D'ailleurs, on n'a pas besoin du moins haut. Voilà. De même que tu n'as pas besoin du moins G à la fin. Si tu veux te mettre ton moins G, autant le préciser ici. Alors, du coup, j'ai corrigé aussi un peu ça. Pardon. Hop. Et voilà. C'est mieux, non? Et on vérifie que ça fonctionne toujours. Non, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut que je relance un LDconfig. Alors, soit vous envoyez un LDconfig sur la bonne librairie, soit si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez faire un export LD librairie pass. En précisant ALD où il peut trouver. Voilà. Et ça fonctionne. On a toujours accès aux infos de la manette. Et bien voilà. Juste finir de modifier le Makefile. Je vous commit ça de suite. C'est le stream combien aujourd'hui? 7. Bonne soirée, Relicanthus. Fin du stream, tout court. Non, 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 c'est mal ce que je viens de faire. Alors, vous voyez, ça, c'est un truc à ne jamais faire. Ne jamais, jamais, jamais committer en tant que root. Donc, pourquoi? Parce que quand vous faites ça, en fait, vous créez là-dedans des objets qui appartiennent aux routes. Et du coup, le pauvre petit Seb ne pourra plus, puisqu'il n'aura pas les droits, faire de pull, créer de nouveaux commits ou quoi que ce soit. Donc quand vous êtes comme moi et que vous avez fait une connerie, vous faites un chown en récursif. Vous redonnez à Seb la propriété du répertoire .git qui se cache à la racine de votre projet. Voilà. Comme ça au moins. Ça vous évite les problèmes. Et voilà, donc vous avez le code, en tout cas une bonne base. Je terminerai le projet PS4, enfin la lib DualShock tranquillement, je pense, entre demain, après-demain, dans les jours qui viennent, puisque j'en ai besoin, hein, tout bêtement. Ceci étant dit, en termes de stream, le prochain ne portera pas là-dessus. Je vous propose de commencer
à descendre un petit peu de niveau, c'est-à-dire pour l'instant on est au niveau du C, ce qui reste, malgré ce que pensent certains, un langage d'assez haut niveau. Donc pour la prochaine fois, on va commencer un petit peu à regarder l'anatomie des exécutables. En fait, on va disséquer un elfe. Voilà. On a déjà fait tous les jeux de mots pourris hein, sur cette expression de disséquer un elfe. Et donc, nous allons voir comment le compilateur gère ses zones mémoire, comment le compilateur va choisir où est-ce qu'il met les différentes variables, et ça nous servira d'introduction pour descendre vers l'assembleur. Alors, l'assembleur, par contre, on ne fera pas, en tout cas dans un horizon proche, d'assembleur sur architecture AMD64 ou x86, on va commencer en fait par faire de l'assembleur sur ARM, sur ARM, tout simplement parce que ces unités de calcul-là font partie des RISC, hein, donc RISC, tout ce qui va être instruction, enfin, jeu d'instruction réduit, et ce sont des unités de calcul, des processeurs beaucoup beaucoup plus simples pour commencer l'assembleur. Donc, du coup, on commencera sur RISC, en fait, sur STM32 même plus particulièrement. Et suite à cette première introduction sur exactement les zones mémoire, la pile, le tas, le pointeur de frame, etc., on ira voir ensuite comment générer un compilateur pour une architecture donnée. Donc ici, on va se donner un microcontrôleur, le STM32F4, et on va configurer complètement GCC, le linker, etc., en n'ayant sous la main que la datasheet, que la documentation du microcontrôleur. Voilà, notre challenge, ça va être de nous interdire d'utiliser les librairies fournies par le constructeur, parce qu'on veut tout maîtriser de A à Z. Voilà. Alors, le pourquoi? Bah, c'est la même réponse que tout à l'heure. Parce qu'on peut, parce que c'est amusant. Et puis, bah voilà, ce serait dommage de ne pas le faire. Sur ces dernières paroles, je vais vous laisser retourner à des activités plus normales. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Si vous voulez jouer avec le code, clonez-le. Voilà, il est sur GitHub, il est là pour ça. Il faudrait qu'on lui mette une petite licence quand même à ce joli petit code. Allez, bougez pas, on va faire ça de suite. Je vous propose ma licence préférée, WTFPL. C'est une licence, tout ce qu'il y a de plus officiel. Voilà. L'intérêt, c'est que du point de vue légal, elle est relativement simple. Do what the fuck you want to. Donc c'est un abandon de droit, vous en faites absolument ce que vous voulez. Oups, collé dans le mauvais. Alors attendez. Voilà. Donc du coup, c'est une licence complètement libre. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas contaminant. Si vous voulez faire du close source avec, bah écoutez, hein, c'est pas pour trois fois 2 heures de travail. Je ne vais pas vous sortir la facture. Amusez-vous avec. Et n'oubliez pas que bah, forcément, c'est loin d'être parfait. Il y a plein de choses encore à faire dessus. C'est pas complètement débugué, donc si jamais au moment où vous le lancez, il se met à neiger en enfer ou s'il se met à pleuvoir des hamsters, voilà, ma responsabilité n'est pas engagée, je vous ai prévenu.
Allez, bonne soirée à tous. À très très bientôt. Et puis, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, hein, comme toujours, par mail, par Discord, par le chat. Voilà. Si vous voulez poser des questions, jouer, ou même faire des pull requests sur GitHub, il n'y a aucun problème. Tout est bienvenu. À très très bientôt.